Bonjour à tous et très bon retour sur ma chaîne. On se retrouve pour du War Selection. Ça fait bien longtemps qu'on n'y a pas joué. Allez, on va s'en lancer. On était parti sur du 20 initialement, sur un petit bio qui va bien. Je vais vous le présenter. On est sur du 8 contre 8. Je vais mettre, voilà, les alliés en jaune. J'y verrai un peu plus clair. On va en récupérer un comme d'habitude. On va commencer à se faire des maisons. Allez, pas mal. Ok, comme ça on a un petit peu de marge. On a 6 de marge. On va explorer légèrement là. J'aimerais bien mettre un dépôt au niveau des baies. Sauf que j'aimerais bien que ça serve pour le bois également. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer là. Tout bêtement, il fera pour les deux aussi bien. Donc maintenant, j'ai un autre BO pour l'Asie que j'affectionne bien. L'idée, c'est de pas lancer ces deux boosts, de faire des économies, de passer très vite à l'âge de bronze. Parce que l'âge de bronze, en plus de ça, c'est que mes récolteurs vont passer de 1-1 à 1-5 au niveau des poules. Enfin, quand ils auront des poules, enfin, de la nourriture des poules à récupérer plutôt que sur les baies. Ça ira pas trop mal. Donc là, on est pas mal. Ok. On va quand même en rajouter un petit peu. Ah, bien là qui est parti. Le ouf est fer. Très bien. On a quoi? On a 6 ici. Ils feront le taf. On va se rajouter une maison. Enfin, vraiment faire 6 en tout. Après quoi, je vais prendre une grappe d'ouvriers. Ça ira pas trop mal. D'ailleurs, je leur demandais d'aller un peu plus là côté dépôt. Et on va pas sortir de guerrier tout ça. On le fera vraiment juste après. Hein. Donc, t'as fini. Tu peux aller ici. J'ai combien? Ouais, j'ai 8. J'ai une bonne petite marche. Et bien, tous les 3, vous allez venir. Je vais vous récupérer. Vous allez poser le bois. On va commencer à poser notre base, on va se trouver un petit emplacement. Là, si c'est entouré de forêt, ça serait vraiment idéal. Ah bah voilà, on va quasiment le coller au bois. Enfin, on va le coller au bois d'ailleurs. Et voilà, comme ça, au niveau du timing, à 3 minutes, je commence à faire ça. Ils sont 3 dessus. Après, je les renvoie ici sur le bois. Et la nourriture, voilà, il en faut pas beaucoup. Hein. C'est vraiment histoire de compenser un petit peu les ouvriers qui sortent. Donc si ça a bien... D'ailleurs, je peux me le rapprocher. Hein. Je vais leur demander de passer là. Et c'est surtout le bois qu'il faut tabasser, hein. J'en ai 17 et encore il va m'en manquer. D'ailleurs vous, vous allez récolter ici, là. Je suis en train de penser. Nice, allez, on fait vite le passage à l'âge supérieur, est-ce qu'il l'a pris en compte? Oui. Et donc arrivé sur les coups de 5 minutes, je me retrouve déjà à l'âge de bronze. Et ce qui fait que je peux très rapidement augmenter tous mes ouvriers pour qu'ils récoltent plus vite. Commencer à poser des tours. Commencer à poser les principaux bâtiments. Parce que si je pose une caserne maintenant, elle me sera complètement inutile derrière à l'âge de bronze. Si jamais je souhaite faire partir sur de l'archer, sur de la cavalerie, ce genre de choses. Et là, je suis pile poil à 30. Il faut sortir 20 de base, 6 maisons et c'est nickel. Je suis quand même bien isolé. Hein. L'allié le plus proche, il est ici. Ah, tiens, ouais, il fait ça lui aussi. Ça, c'est bien, bonne technique. Là aussi, il le fait un petit peu. Il y en a qui les entassent un peu n'importe comment. Lui, c'est celui qui est parti. Lui, il a placé ses baraques comme un ego. Lui, il est à peu près fermé. Donc là, ouais, on commence à avoir une petite économie assez forte. C'est pas mal. On va même en récupérer 2. On va les balancer sur la bouffe parce qu'on va avoir pas mal d'améliorations qui vont coûter de la nourriture. Donc on va même en passer à 10 là. Donc les deux là. Voilà, vous venez de poser ça et passer ici. Allez, allez, allez. Yes, on fait ça, on fait ça. On va faire la tour au cas où. On va se prendre les 300 hein, qu'on va coller ici. Ça ira pas trop mal. Vous tous, vous allez passer ici sur le bois. Même 3 autres de plus, ça me fait pas peur. La tour, on va se l'améliorer. Ici, je vais utiliser ça pour sortir un petit peu de volaille domestique. Allez, et passez dessus, vous. Ok, on va se lancer cette amélioration-là pour avoir un gros visu sur le territoire. Là, on est sur du 5 minutes 30. Hein. Je risque normalement pas trop d'être attaqué. Ah, je sais pas où ils vont. Ils sont jetés dans la gueule du loup. On va s'améliorer les maisons. Les maisons, d'ailleurs, on va reprendre un peu, là. Parfait, donc là j'ai des constructeurs, ils sont 4 là-dessus, ça ira pas trop mal. Je vais juste attendre d'avoir le visu et après je vais commencer à poser mes premières casernes. Ici je vois que je peux exploiter des poissons, donc ça ira bien. On va se mettre un port, mais j'aimerais voir un peu l'étendue de l'eau là. On va juste attendre un tout petit peu. Ah que c'est long, 7 minutes. Ok, j'en sais un peu plus. Bien sûr que oui, je peux partir sur un port. Bien sûr que oui. Donc vous allez me ressortir un petit peu de ça. Donc niveau bouffe, je suis pas trop mal là. On va récupérer 2 de la bouffe. On va poser le port par là, ça me semble bien. Après quoi, vous allez commencer à poser une petite tour juste ici, ça sera tout à fait simple. Ah, j'ai l'impression d'être sur une île. Ah, j'aurais presque pu l'annuler celle-là. Mais après, il y a peut-être des passages. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit de l'eau profonde. On va quand même la mettre au cas où. Et puis bah là, je vais commencer à pouvoir sortir. Alors sur quoi on partirait? De la cavalerie.
Je peux en poser 4. Ah, voilà, il y a quand même du passage autour. Ça peut être pas trop mal. J'aimerais bien plus quand même. Hein. J'aimerais plus. Puis si je le pose là, il va pouvoir être attaché. Du coup, ouais, c'est vraiment le bois hein, qui récolte au plus vite. Vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux. Par rapport à la pierre, hein. Alors le bois, c'est quand ils sont pas trop loin. Comme là, par exemple, je pourrais me remettre un petit dépôt là-haut. Parce que j'ai déjà cette source de bois que je vais exploiter. Et là, elle va bientôt plus me servir, celle-ci. Allez, on va sortir déjà les premières améliorations. On est sur du timing. 8.40, ça pue déjà un peu. Ça pue déjà. Je suis déjà en mesure de me prendre un sacré rush. On va se mettre une tour juste ici. Après quoi, vous allez retourner au bois. Ah, je peux pas le mettre... Ah, merde. Je vais pas pouvoir le mettre à une super place. Alors par contre, je pourrais exploiter cette mine de fer. On va se la poser par là. Ça, je vais pouvoir l'enlever, elle va me servir parce que la prochaine, je la mettrai un peu plus par là ou peut-être un peu plus là, que ça serve aussi pour exploiter cette forêt là. Les améliorations sont lancées, ok, très bien. Le point de ralliement, on va le poser par ici sur la tour, on va se l'améliorer. Plus de matériaux, ah bah ouais, je suis complètement sec. Vous allez basculer ici, pas besoin d'être 15. On va déjà sortir 4 bateaux, ça sera un bon début. On va les placer ici, comme ça ils savent qu'ils ont de la bouffe à récupérer. Un petit coup d'œil là-dessus, ça va pas trop mal. Ici, on va légèrement se les rapprocher tous ensemble. Ah mais eux, ils se sont coincés, j'ai l'impression. Récolter du bois. Et sur quoi, 8 timing 11 minutes, hein, ça traîne, c'est normal. Si on partit en équipe, normalement, on tombe pas vraiment sur des rushers. Je dis bien ça très rapidement, mais... Allez, on va pouvoir faire la transition, après on va être pas mal. Du coup, on sera à combien? On sera à 50 ouvriers, donc c'est déjà un très bon chiffre. Donc là, pour ça, on a temporisé un tout petit peu. Toi, tu vas venir ici, on va commencer à se faire une autre écurie. Même pouvoir la... Ah, on peut pas la poser là, c'est bien dommage. On est attaqué, oui. Oh là, un petit coco. Fais me démonter, hein. Il est bien ici. Toi, tu vas faire le tour, tu vas te charger de lui. Et eux, voilà, là-dessus. Ok, la transition se fait niveau économie, on est franchement propre, hein. Donc on va attendre, et ouais, les bateaux, c'est dommage qu'ils puissent alerte, ils les considèrent plus comme des ouvriers, donc ils apparaissent pas là quand ils chôment, faut ça surveiller. Ça c'est quoi? C'est une petite troupe d'archers qui est déjà partie en explo. Ici on a quoi? Encore des lanciers, c'est pas mal. Bon, on a l'air d'être pas mal parce que ça se trouve, on a une ouverture qui se fait ici ou ici. Et nous on sera en pleine mer, on va peut-être pouvoir partir un peu avec du bateau. On verra hein, comment on se la joue. On va se faire toutes nos améliorations. Donc ça, ça a été fait. Ok, ça je les ai sortis, ça c'est déjà bon. Là, on va se faire celle-ci pour avoir un petit peu plus de territoire. La transition, on va tout de suite la faire derrière parce que ça tourne eh ben, relativement bien là. Allez, ça y est, on est parti. On a déjà des premiers affrontements ici. On a des archers avec du lancier qui est engagé. On pourrait y envoyer nos troupes. On pourrait. On a un sacré petit territoire. En tout cas, ça c'est bien cool. On pourra remettre un bateau par ici, enfin un autre port. C'est même d'ailleurs ce qu'on va faire. On n'a pas perdu une seconde, qu'il soit assez loin quand même. Ok, niveau des maisons, on est complètement full. Il y a quelles ressources qui nécessitent? On est pas mal en fait. On est vraiment pas mal. On va continuer à prendre du bois. Ici la transition, pardon, elle est en train de se faire. J'ai pas beaucoup de cavalerie, hein. En fait, je vais les positionner par là tous. Les 6, on va les récupérer là. On va... Ah, j'ai plus de maison. Enfin, j'ai plus. Je suis complètement plein. Il faudrait presque que j'attaque avec le peu que j'ai là. Parce que j'ai surtout beaucoup d'ouvriers. Nous, on va y aller ici en soutien également. Parce que je vois qu'il y a quand même des unités qui sont en train de descendre du lancier. On va aller en renfort. Parce que là, la percée, elle est quand même pas trop mal. Je suis full pop. Là, j'arrive même plus à sortir de bateau. Et alors, pourtant, j'ai des ressources qui sont... extra, hein. Franchement, la baraque elle tourne bien, je vais en basculer deux sur le fer au cas où. Ah, ça y est, on a du renfort qui arrive là. On a ici masse lancier qui met 6 de dégâts, très bien. Ici on a un mix, je crois que ça doit être du lancier, il y a de l'ouvrier, ok, il va commencer à poser des tours. Et nous notre cavalerie qui traîne, hein, parce que du coup pour passer là, il faut faire cette boucle là et redescendre. Alors finalement, je suis mieux placé. Je suis vraiment le mieux parce que je suis vraiment très central pour m'attaquer. Il faudrait qu'il passe ici. Allez, parfait. On va vite faire la transition. On va s'améliorer à peu près tout. Nos bateaux, notre port, notre dépôt, nos hommes. Donc là, lui, il est mort. On a récupéré un peu de son territoire là aussi. Donc c'est bon, on avance très très bien là. Nous, on va juste partir en exploration en bout de map. Ah, ça y est, on a des baraques ici. On va juste attendre que le gros arrive. Nous, on va juste chercher un peu des maisons. On va attendre le soutien. Oh,
coup, il a tué tous ses hommes. Il avait besoin de libérer de la population, peut-être. Quelle connerie. Ok. Première fois que je vois ça. Il faut 50 ouvriers. J'en ai 49, il m'en manque un. J'ai dû en perdre un. Allez, le bois, le bois, le bois. Ok, le bois, ça va être bon. Ici, il va me falloir quand même pas mal de bois à nouveau. Donc, je vais pouvoir récupérer cela. On va les rebasculer ici en haut. Et on va refaire notre seconde transition. Alors. Petit conseil, quand vous avez des murs, cliquez derrière. Les unités, elles vont tout de suite trouver le chemin. S'il y en a une faille, bah voilà, là déjà, ça peut être pas mal d'en choper quelques-uns d'ouvriers. Et si je clique là, ah, elle se dirige là, parce que ouais, là, il y a une bonne ouverture. Allez, fight. Donc c'est quoi? C'est du cavalier qui met 7. Nous, ils mettent que 6 pour l'heure. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, faut que je perde un peu de population. C'est vraiment pas un souci. Par contre, on va se refaire des baraques. Il m'en manque encore. Bon, pas trop mal. Pas trop mal parce que du coup, les adversaires, ils sont vraiment très bas. Et ici, qu'est-ce qu'on a un peu? Eh ben, ça a l'air bien se passer. On en a un qui nous a sorti du légionnaire ici, chez nos alliés. Ok. Bon, bah ça se déroule plutôt... Tout bien. Ok, transition faite. Et je me demande si on fait pas l'ultime, parce que la bouffe je l'aurai. Le bois avec le dépôt que j'ai posé ici, là ils sont 35 dessus. J'ai même pouvoir en retirer d'ici, parce que maintenant que les bateaux tournent bien, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, hein, parce qu'en bouffe je suis extra. Allez hop, on se lance ça tout de suite. Comme ça on fera des... On va gagner du temps. On va vraiment gagner du temps en faisant ça. Je crois que c'est le fer par contre. Le fer ça va être un tout petit peu chaud. Sans prendre une grappe, on va les mettre dessus. Bon alors ici ça bataille bien. Ici ils font une percée nickel hein, entre un qui a les archers et l'autre qui a les légionnaires. Pff, ils se complètent, c'est extra. Alors qu'est-ce que ça donne ici, ça, ils ont été tués, cette percée. Bah du coup ils ont posé un peu ah ce qui est bien voilà. Ils se sont mis un peu en état de siège. Ils vont pouvoir détruire un peu ces murs. Ils ont sorti des casernes, ça c'est très bien. Et ici par contre on a quoi, quelques archers qui se baladent. Mais là c'est pareil, ils sont en train de boucler, de se faire un petit avant-poste. C'est vraiment fier d'eux. Très bonne équipe. Ok, ils ont essayé de s'en prendre au Espringal, mais ça prend pas. Et là, ça y est, il y a déjà une fissure là-dedans. Ils prêtent déjà. Oh, mais ouais, ils ont des pauvres tours. Hein. C'est des tours d'époque, ça. Ils ont quoi? De l'archer? Ah non, c'est de l'ouvrier en plus. Oh. Ah ouais, non, mais il faut qu'ils rentrent là. Voilà. Ah, puis ça va être un massacre. Ah, les tours, elles vont jamais tenir. Elles vont jamais tenir. On enlève toute transition, ça arrive là. Ça arrive, ça va être très coûteux pour transformer tout ça, tous ces bâtiments là, et sortir un peu de l'unité. On va sortir de l'unité rapide. J'ai beaucoup. Alors en dépôt, les trois ils vont être utiles. Je vais pouvoir les améliorer. Je vais pouvoir améliorer presque l'ensemble de mes ouvriers. Il y a eux que je vais pouvoir récupérer pour pouvoir faire une mine et sortir du fer ici. Ouh, on a une petite colonne ici. Du chevalier léger. Qui sont suivis par du chevalier léger également. Donc ça va, ils sont bien pris. Derrière on a quoi? On a... Ah c'est du britannique ça? C'est quoi eux? Ah c'est le... Ah oui c'est vrai qu'il y a les russes maintenant. Du soldat russe qui met 22-4. Bon là ça se passe pas trop mal. Par contre eux ils ont pris... ouais ils ont pris une percée quoi. Ils ont pris une percée. Alors j'espère qu'ils vont avoir soutien. Pas grand monde finalement. Ils vont les mettre dans la mouise et être dans le besoin presque. Là quoi, on a du soldat russe qui arrive ici. Et bah ils commencent à se prendre une dérouillée parce qu'il y a du chevalier lourd. Ils ont pas réussi à faire d'assez gros dégâts. Ici on a quoi? On a des galères européennes. Nous, au cas où, on va quand même se sortir une petite chaloupe mitrailleuse qu'on va placer ici. Allez hop. Alors, je vais commencer à sortir des usines. Une université aussi, ça peut être intéressant. Sauf que j'ai pas assez un arsenal également. Allez, on va déjà se faire un arsenal. 22-4 les soldats russes. 22-4. Et par rapport à eux, 22-4. C'est strictement pareil, sauf que... Sur les bâtiments, moi je mets 10. Et l'aviation, je mets 9. 10, 9.
Cible unique. Et ils mettent 60 de dégâts. C'est quoi, c'est des grenades? Cible unique. C'est en quelles circonstances? Ah, c'est des grenadiers. Ils doivent pouvoir tirer. Ah ouais, il y a quelques grenades qui partent. Ah ouais, est-ce qu'on fait le bâtiment? Ah, ils sont excellents. Ils sont vraiment excellents. Ok. Ah, ça c'est quoi? C'est une petite colonne qui est en train de remonter ici. Parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. On va augmenter quoi? La précision des fusils modernes. Ça peut être bien. Les mortiers, on va pas se les faire. Des chars, ça peut être bien. On va quand même partir char, je pense. Oh, il y a une percée sur la droite. Elle est vilaine. Hein. Il va falloir qu'on sorte des usines. Ah, ils sont dans la galère, mais je vais pas pouvoir les aider. Enfin, j'ai 40 soldats. 40 soldats, ça représente quoi un petit peu? Ah, j'ai l'impression qu'ils en ont plus, eux. Mais si je les aide pas maintenant, j'en ai quoi? 43. Et ça continue de sortir ou pas? Ça a terminé, ça a terminé de sortir. On va y aller, on va y aller, on va y aller. Donc leur QG, il est là. Nous, on va se mettre par là. Histoire de la repousser un peu. On pourrait se faire des voitures blindées. Ah, ici. Un petit coup d'F3. Toi, tu vas pouvoir venir. On va vite s'en débarrasser là. Ah, surtout que j'attaque plus loin qu'elle. Allez, 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 allez. Dérouille-les, dérouille-les, dérouille-les. Il y a un bateau de coulée. Oh, c'est bien ici ce qu'il fait. Hein. Il continue sa petite percée. Il a vraiment pas lâché prise. Donc il continue à les dérouiller. Bon, ça c'est bien. Par contre, le rouge, il est toujours en train de faire des gros dégâts dans sa base. Et moi, qu'est-ce qui se passe ici un peu là? Il faut que... Voilà, faut que tu t'en charges toi. Je vais commencer à y laisser tous mes bateaux sinon. On va s'en ressortir une deuxième petite chaloupe. Un navire de guerre, pas besoin de temps. Juste une chaloupe, ça ira bien. C'est vraiment histoire de se débarrasser d'eux. Où est-ce qu'on en est du plan là? J'ai pas grand chose là. Je vais avoir le tank qui va bientôt sortir. Les fusils. Ah merde, il vient de perdre. Il vient de perdre. Mince. Il vient de perdre. On va se retrancher chez lui là. On va se placer derrière ces tours. On a perdu un joueur. Ça, c'est bien dommage. Là, on a un hôtel de ville allemand. C'est vrai que ça commence à être bien classe avec les nations. Bon, on a toujours cette percée russe. Je me suis mis ici. Du coup, c'est que je peux pas encore sortir mes tanks. Et en plus de ça, ils vont pas sortir tout de suite. Je pourrais ressortir quelques soldats quand même, histoire de soutenir. Peut-être de la mitrailleuse. Ça peut être pas mal. On va se les mettre ici. On va en sortir une dizaine. Histoire de venir un peu en soutien. Sur quoi je peux partir? Je pourrais faire ça. Augmenter l'ennemi de population, je vais bientôt en avoir besoin. Ok, ils vont commencer à avancer là. Yes! Ils commencent à s'avancer. Oh, ils sont pas bien nombreux. Hein. On va y aller. On va profiter du soutien justement qu'il est. Des soldats un peu médiévaux, costauds. Ils ont combien en vie? Quand ils sont full, ils sont à 60, quand moi je suis à 60. C'est strictement les mêmes soldats. Sauf que... Allez, avancez bien tous. Hein. Où sont les mitrailleuses? Elles sont là, elles ont vraiment du mal à passer. Par contre, elles pourront bien faire le taf. Allez, nous on avance bien ici. Qu'on les fume les petits derniers. Ici, on va avoir des ouvriers à cueillir là, parce qu'ils vont commencer à faire de la base, j'imagine. Allez, 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 on avance. Allez, continue. Chopez l'oiseau, yes. Allez, on se met ici. On s'est fait un joli petit point de ralliement. Du coup, on va pouvoir commencer à sortir du tank, qu'on a dit. Hein. Ça va être du char léger, ça va être pas mal. Allez. Ah, c'est la population. Population, je suis bien full. Ça, c'est en train d'être basculé, d'être fait. Là-haut, les chiffres, ils sont plutôt bons. Notre colonne de mitrailleuse, elle suit, elle arrive, parfait. Lui, c'est bien. Et ben voilà, on va se fortifier un petit peu autour de sa base, lui. Lui qui est en train de se murer complètement stupide. Il pourrait venir protéger ici un peu. Lui, il en est où? Et ben lui, il est complètement à la rue. Lui, il a l'âge moderne, mais c'est pas fameux. Et lui, et ben, il est en train de se faire un grand mur parce que il sent que ça pue et qu'il y arrive plus. Par contre, il est passé... Ah, il a pris les Russes aussi. Très bien. Qu'est-ce qui nous prépare les Russes? Il y a l'aviation que je maîtrise pas du tout encore. Que je maîtrise pas. D'ailleurs, c'est vrai qu'on pourrait regarder un petit peu ça, là. Un aérodrome, mais pour ça, il me faut arsenal. J'ai, il me faut une université. Donc, université, on va se la faire. On va se la positionner. Oh, je sais même pas où elle est. Elle est ici. Allez, vous mettez dessus les mecs. Et après avoir tourné sur le fer un peu, parce que je commence à avoir beaucoup de bois. Donc, les 4 là, vous allez basculer ici. On va anticiper un peu, là.
Ah, il y a les ingénieurs qui peuvent réparer des bâtiments et les véhicules de son air, fabriquer des installations militaires et détruire des fortifications. Ok. On va faire ça pour que les ouvriers puissent porter plus. Ça, c'est super important. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh ben, je crois que je commence à être pas mal. On va se faire les dernières maisons, évoluer les tours. Ça sert pas à grand chose pour l'heure. Et ici, je vois quelques points. Qu'est-ce qu'on a qui arrive? On va avoir du soldat russe. Encore. Donc nous, on va bien se mettre en ligne. Est-ce que j'ai absolument toutes mes... Ouais, les mitrailleuses sont là. Je crois qu'il y a même des mitrailleuses ici, lui. Il a du soldat, très bien. Ah yes, parce que oui. Parce qu'il est en train de se faire une petite base là-haut, lui. Ok, donc ça, on va y aller. On va lui rendre une petite visite. Nos tanks, c'est toujours en cours. Les tanks, ils sont en train de passer ici. Très bonne chose. Parce qu'ils vont faire du bien avec leurs gros dégâts. Et là, on va commencer à les défoncer ici. Si on peut récupérer tout ça, ça peut être vraiment bien. J'espère juste qu'il ait pas eu le temps de mettre beaucoup de tours. Donc là, il a une chaloupe. Allez. On va juste attendre un petit peu qu'on ait absolument tout le monde. Des mitrailleuses. Oh, allez, go. Ouais, faut attaquer vite, là. Là, faut attaquer vite. Ah, vous allez même m'attaquer ça, là. La grosse Bertha. Qui a 50 de résistance. C'est énorme. Et les soldats qui mettent 0,9 dessus. Hein, c'est minable. Nous, on a une sacrée portée, semblerait-il. Oui. Donc là, on va... Ouais, c'est pas trop mal avec les mitrailleuses. Allez, on va se faire un clic ici. Putain, il a sorti des Bertha. Oh, elles sont monstrueuses, celles-ci. Hein. Je les avais encore jamais vues. Elles sont impressionnantes. Hein. Oh, ah ouais, elles ont une distance dingue. Elles mettent de très gros dégâts. Ah, faut s'attaquer à ce qui fait plus mal. Je sais pas trop. Hein. La grosse Bertha, mais la grosse Bertha, je suis mis que dalle là. J'ai même pas à l'atteindre. Oh, c'est fini. Fini. Du coup, avec nos tanks là, on va se positionner ici. Là, on va choper les 4. Ouh, on commence à avoir des ogives. Qui partent. Surtout que c'est du tank léger. Ils ont une vue de merde. Allez, une ogive qui part dans ma tronche. Une autre. Voilà, c'est horrible. C'est un truc de fou, ça. Ils mettent 6 de dégâts. Mais c'est minable. Ah, je sais pas comment les contre, elle. Hein. Alors là, franchement, avec des avions, faut qu'on parte avion. Il faut qu'on parte avion à tout prix. On va se foutre un aérodrome ici. Alors, je sais pas du tout comment ils jouent. Hein. Ça va être la découverte comme ça. Bon, je commence à avoir une économie bien forte. Donc ça, c'est fini. Bah, venez là. Du coup, on peut faire des ballons de combat, des dirigeables de combat ou un bombardier léger. Pas besoin d'un aérodrome pour faire le plein. Dirigeable de combat. Ok. Combien ça m'a coûté là, ce petit bijou là? Ça va, on peut en pondre. Hein. Donc on va en faire un là. On va en refaire. S'amuser un peu là. En faire 4 d'aérodrome, ça sera pas trop mal. Vous l'avez terminé, cette mine. Ok, donc là, il faut choper du fer encore. Et bah, passe ici. Toi, avec ton copain, tu viens ici. Ah, il a également une grosse Bertha. Ok, c'est bien. Donc là, c'est de l'allemand contre allemand. Donc vous avez tout fini, là. Non, il en manque une. À quel moment c'est fragile, ce machin? C'est dingue qu'ils aient foutu une unité comme ça, aux 50 d'armure. 320 de dégâts. Une portée... colossal. Ah, ici on a du soldat qui commence à monter. Qu'est-ce qu'il a lui? Est-ce qu'il s'est préparé un peu? Pas du tout. Hein. Aïe, il est en train de faire des casernes. Économiquement, il s'est ruiné. Il a quelques miliciens. C'est triste. Hein. Eux, ils ont rien non plus. Ah putain, c'est abusé. Il y en a que deux qui jouent. Il y a l'allemand qui est en place, qui joue bien. Plutôt celle des Never de guerre, donc ça va pas mal. Donc ça, c'est mon dirigeable de combat. Il a une vitesse de 20, ce qui est naze. Les dégâts, il met 150. Oh, la vitesse. Minable. Pourquoi toi? Comment ça se fait que toi, tu puisses rien faire? Ah, yes, ok. Ok, je comprends mieux. Donc là, j'en ai déjà un bombardier. Il a une vitesse de combien? Il met 2 fois 150. Une vitesse de 120. Ok, est-ce que j'avais pas assez zoomé, ouais. Donc là, en gros, lui, il a déjà un avion. Ah, c'est un avion par base. C'est ch'tio.
Est-ce qu'on attend qu'ils se finissent? Peut-être, ça peut être pas mal. Bah viens ici, tout du coup. Est-ce qu'il y a un bouton pour attaquer au sol? Sauf que ils vont me démonter là. Ils mettent 9 aux avions. Donc là, ça va être un petit combat à eux là entre grosse Bertha. Ici, ils sont dans la merde. Allez, bon, on va faire décoller nos bombardiers. Mais alors, j'y crois pas une seconde. Ils mettent 2 x 150. Je sais pas du tout l'étendue des explosions. Je vais les perdre, hein. Ça c'est une certitude. Je sais au moins mettre du dégât là-bas dedans là. Il y en a déjà un qui est au sol, il y en a un deuxième qui est au sol, pouille. Elle venait tirer un peu sur du soldat là. Dégraissez ça là. Putain, ils avancent pas, ils restent bloqués, des pitros. Allez, tirez les mecs. Oh, pff, ils sont nuls, ils sont archi nuls. Ils tirent tous à côté, hein. C'est dingue. Il tire là-bas au milieu, là. Faut me dire. On va pouvoir le louper, là. Ah si. C'est encore bien démerdé pour louper son tir. Ici, du coup. Ouais, vous avez terminé. Vous allez pouvoir passer là. Donc là, j'ai un avion que j'ai gardé. Lui, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, lui? Il met 150. Ok, il va falloir qu'on fasse notre transition. Surtout que j'ai assez. Je me suis bien endormi là-dessus. Hein. C'est que j'aurais pu la faire et avoir profité probablement d'avions un peu plus évolués. Qui pouvait faire la différence. Ici, on a une vague, une déferlante complète. On a quand même des arbalétriers au milieu, quand même. Donc, il a du soldat. Mais ah, il a tardé à les sortir. Hein. Parce que là, il y a quand même que de l'arbalétrier. Petit peu de soldat, un peu de canon. C'était jouable. Hein. Lui, pour moi, il a arrêté de jouer. Et eux, finalement, ils tiennent ce petit combat à distance. Ah, lui qui est toujours en balade. Je refais plus jamais. Hein. Des dirigeables comme ça, plus jamais. Je sais pas comment les aider, là. Hein. Ça, les soldats sont en retrait, ce serait le bon moment d'envoyer des avions, là. J'ai les 4, ici, parfait. Allez, venez ici. Oui, c'est F4 pour les avions, maintenant, le raccourci. Non, le dirigeable, je m'en fous. Toi, t'es lent. On va le mettre là, lui. Ah, ils sont quand même bien exposés. Je vais les attaquer côté mer. On va se faire un petit truc, là, ça va être... C'est du Top Gun. On va se positionner par là. Parce que je pense qu'il doit avoir... Ouais, en plus, il a un ballon. Il a une sacrée vision, lui. Parce qu'on les a toujours pas vus attaquer. On va attendre qu'ils soient bien là. Venez m'attaquer celui-là au milieu, là. Ah, il a plus beaucoup de vie. C'est peut-être une connerie. Il y en a deux qui vont me prendre lui. Et deux qui vont m'attaquer celui-là, là. J'ai envie de voir un petit peu. Ah, ça y est, on arrive de côté. Qu'est-ce qu'ils me font? Qu'est-ce qu'ils me font, les mecs? C'est quoi ce délire? C'est une blague? Ah, ils ont plus d'essence! Non, ça doit être ça. Je vois que ça. Ah, ils ont plus de carbu. Oh putain! Ah, c'était au moment de tirer leur bombe. Ah, il a sorti ses soldats. Bah, à part arriver en frontal, je vois pas grand chose à faire. Est-ce que les tours peuvent mettre des dégâts contre les avions? Bien sûr. Ah, ils ont des lance-roquettes. Ah, mais les Russes, c'est de la balle. Oh, ils nous gâtent, hein. Eh ben, eux, on va pouvoir se les faire un coup d'avion, là. Je me demande la portée qu'il a, lui, parce que il n'y a rien d'écrit. On l'a dit en vitesse, il est pourri. Il met 150 de dégâts. Parce que toi, t'es quoi, en fait? Il y a juste un mec dedans qui lâche des boulets. Oh, putain, mais c'est une blague. Ah, il est pourri de chez pourri, celui-là. Ok, par contre on va pouvoir récupérer cela. Et je suis en train de voir où est-ce qu'il y a une faille là. Où est-ce que... Ah bah là, parfait, en plein sur les tanks. Allez go. Et toi tu vas t'occuper des Bertha. Donc là on a pas mal de combats à suivre. Hop là, parfait. Donc ici on va voir ce que ça donne. Il n'y a plus de missiles. Mais là ça y est. Ah ça y est, ce coup-ci ils ont du jus, ils ont tout. Ah ça a pas trop mal. Ça a pas trop mal, surtout qu'ils en ont encore acheté. Bon, ça met pas des dégâts de folie non plus, mais... Allez, celui-là, là. Ouais, bof, déçu. Et lui, sans surprise, s'est fait démonter. bon, j'ai même pas vu comment il attaquait. Par contre, on a fini ça. On a fini ça, c'est très bien. On pourrait sortir du lance-roquette. Niveau des avions, eh ben, on a rien de plus.
On a strictement rien de plus, hein. C'est qu'on va juste se démerder avec nos 4 petits avions. Sauf que les grosses Bertha, je sais pas combien on l'avait couché là, il faudrait sortir cela là. Eux ils ont une portée monstrueuse. Ah sauf qu'on a aucun visu. Oh là là, elle a plus de missiles. Bam 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 bam. Ah il va tout perdre. Il va tout perdre le pauvre. Ah bah voilà, coulée du bateau, tiens. Eux ils peuvent tirer dessus. Pas du tout. Donc là ils sont cernés. Cool celui-là. Bon c'est bien, ça c'est assez rentable. Une merveille a été construite ici. Ça c'est pas pour nous arranger. Oh la pluie. C'est beau hein. La Russie. C'est quand même beau. Parfait. On a quand même réussi à couler 3 bateaux. Ce qui est vraiment pas mal. Ce qui est vraiment pas mal. Sauf que là ça va être tard 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 hein. C'est que là on a les Bertha qu'on pourrait s'occuper. Sauf que ça demande un temps fou ces avions. Ici qu'est-ce que ça donne. Ils sont toujours pas sortis. Ils sont pas sortis. Puis alors les autres joueurs inexistants. Ils ont dû lâcher l'affaire depuis un moment. Oh si, au moment où j'en parle, on a quelques soldats russes qui arrivent. Ah lui c'est un tank. Moi que vous puissiez profiter un petit peu de tout ça, là, des nouvelles unités. Lui c'est un char lance-flamme. Qui met 8 x 21. Bon c'est pas mal. C'est pas la folie non plus. Ok, on se récupère tout ça, on se ressort des avions, on va se refaire un petit coup de F6, on va se récupérer ça. Ah, il y a trop de soldats là, si ça va être bon, là. Ça va être bon, ça va être bon, je pourrais y aller. On va s'occuper de celui-là déjà. Ah, je suis en train de voir qu'il y a ça avec un petit bonhomme dans l'espace, c'est qu'on aurait derrière un âge supplémentaire peut-être. C'est fort probable qu'il nous prépare ça. Ça peut être vraiment bien. Est-ce qu'ils sont sortis? Oui, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont sortis ici. Parfait. Et eux, ils ont quelle distance? Elle est pas mal. Hein. Elle est vraiment pas mal. On va pouvoir se les positionner et taper. Vraiment, ce qui me gêne, ça va être ça, là. C'est eux. Ça a l'air d'être un peu l'évolution de la Bertha, quoi. En quelque sorte, ils mettent 320... moi je mets 250, 15 contre 50. Ah quand même, pff, je vais me faire dépouiller. Je les ai vus, je les ai vus. Là. Ici, ici. Ouais, tant pis, je vais les envoyer au casse-pipe. Il faut coucher un peu de la Bertha, mais il y a trop de soldats. Ouais, je me suis fait dépouiller mes avions. Bon, ça va être compliqué, on va pas se mentir. Oh là 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 là, de toute façon, putain, elle est pétée cette unité ou quoi? Tout le monde joue grosse Bertha. Grosse Bertha, à côté de ça, ils ont quoi? De la mitrailleuse, quelques soldats, et puis après, c'est terminé quoi. Après, c'est terminé. C'est vrai qu'elle est très très forte cette unité. Hein. Elle va être très compliquée. Je pense qu'il faudrait partir cavalerie pour s'en débarrasser. Honnêtement, j'ai pas la foi de terminer. Hein. Ça va être chaud pour ce game. Bon, sur ce, bah, j'espère que ça vous aura plu. Au moins, on aura vu quelques nations supplémentaires. Donc, pas avec moi encore. J'ai pas encore les moyens. Je pense que je vais attendre la France pour pouvoir prendre la France. D'ici là, j'aurai suffisamment de points. Et on se fera une petite vidéo spécialement justement pour découvrir la France et ses unités. Et bien, sur ce, j'espère vous retrouver très bientôt sur ma chaîne. Allez, ciao, ciao.